Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Provexio. Aujourd'hui, on va aborder la cybercriminalité et notamment les tendances actuelles. Alors moi, je suis Sarah Galaudet, chargée de communication et marketing chez Provexio et je suis accompagnée de Kevin. Moi, je représente la partie cyber au sein de Provexio. Au programme aujourd'hui, on va aborder les différentes menaces, donc à savoir le phishing, le ransomware et le cryptojacking. Donc l'idée, c'est de vous faire une présentation de chaque menace et vous donner les détails. On commence par le phishing. Le phishing, c'est une technique utilisée par les cybercriminels pour cibler aléatoirement plusieurs personnes dans le but de les piéger au travers différents moyens, différents outils. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur différentes tactiques qui sont utilisées justement pour pouvoir entrer en contact avec l'internaute? Donc aujourd'hui, on a plusieurs moyens type email, donc beaucoup d'emails, avec des pièces jointes frauduleuses. On a aussi les réseaux sociaux qui sont impactés, toujours même technique. On envoie des messages ciblés. Sur tout ce qui est navigation web, on peut avoir des messages qui apparaissent et s'ils cliquent, du coup, se font hameçonner. Au niveau du ransomware, est-ce que tu peux nous définir aujourd'hui ce que c'est? Donc un ransomware, c'est un cryptolocker qui vient en fait chiffrer les données d'une entreprise et demande une rançon. C'est-à-dire que pour pouvoir déchiffrer et récupérer vos données, vous devez payer le cybercriminel. C'est ce qu'on appelle le ransomware. Comment le pirate rentre en contact avec l'utilisateur? Par quels moyens, du coup, il peut venir attaquer son internaute? Alors, il y a plusieurs moyens pour l'attaquant de poser un crypto. Donc, notamment par ce qu'on vient d'évoquer tout à l'heure, le phishing. Il suffit de faire du phishing, donc un mail envoyé à la société avec une pièce jointe frauduleuse qui va exécuter justement ce ransomware, ou des portes dérobées qui existeraient au sein de la société et laisseraient entrer le pirate via ses ports ouverts. Donc il pourrait y déposer le cryptolocker et l'exécuter lui-même. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler aussi de tout ce qui est cryptojacking. Est-ce que tu peux nous le définir et comment du coup ça s'opère auprès des équipements? Cryptojacking, concrètement, c'est quoi? C'est une technique qui va introduire un logiciel malveillant au sein d'un périphérique et l'utiliser en ressource pour produire de la crypto-monnaie. Et aujourd'hui, comment l'utilisateur il peut se rendre compte du coup qu'il est attaqué? Est-ce qu'il y a Alors, des c'est. points importants à soulever Alors, justement quand le plus on... important déjà, c'est d'avoir un antivirus, puisqu'effectivement, sans antivirus, tout est transparent. L'antivirus peut alerter sur ce genre de menace connue dans sa base. On va aborder maintenant tout ce qui est mesures préventives de façon à vous prémunir justement des différentes attaques qu'on a évoquées tout à l'heure. Nous, on a identifié 10 bonnes pratiques qu'on va évoquer avec vous. Donc les bonnes pratiques, ça passe par effectivement de mettre en place des mots de passe complexes et différents pour chacun de ces sites. Savoir aujourd'hui, il existe justement des outils qui permettent de créer des mots de passe compliqués. Aléatoire, oui, tout à Ouais, fait. On des a mots de des passe outils, aléatoires. des plateformes qui permettent des créations automatiques de mots de passe complexes. On va aborder également du coup quelques exemples qu'on a tous pu voir dans la presse, donc des entreprises qui ont été attaquées. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup, Kevin, par rapport à cette veille que tu fais quotidiennement? On va prendre les différents exemples qu'on a mis en page. Donc effectivement, la ville de Baltimore qui a subi cette attaque, qui donc du coup a dû payer pour récupérer ses données. Donc les bonnes pratiques pour moi sur ce cas de figure, c'est pour se prémunir et avoir une bonne prévention, c'est de faire un d'avoir déjà d'avoir un bon backup, d'avoir une bonne sauvegarde, de s'assurer d'avoir une bonne sauvegarde pour effectivement pouvoir récupérer les données sensibles facilement et aisément pour pouvoir reprendre une activité. Après, on va rentrer dans les détails de la technicité avec les différents moyens de contrecarrer le ransomware. Donc nous, on propose des solutions avec Sophos, qui est la solution Interceptix, qui
qui effectivement bloque toute cette partie ransomware. Mais le mieux, dans tous les cas, c'est de bien prévenir en éduquant les différents collaborateurs sur les méthodes utilisées par les attaquants et de rester vigilant. Très bien. Merci Kevin, du coup, pour cette présentation qui a été riche en informations. À savoir qu'on vous invite également à aller un peu plus loin, du coup, sur cette thématique. Donc, nous, on a mis en place un livre blanc, donc, qui est disponible et téléchargeable sur notre site internet. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Et en complément, on a également fait des infographies sur tout ce qui est présentation de ransomware, phishing, comment effectuer ses sauvegardes, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à consulter cet e-book qui est disponible et téléchargeable en ligne sur notre site internet. N'hésitez pas aussi également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc on est présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube. Donc YouTube avec toute la présentation de nos webinars qui portent sur différentes thématiques. Merci beaucoup et puis à Merci bientôt. Sarah. Merci À Kevin, à bientôt. bientôt.